Bonjour à toutes et à tous, namasté. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Sandy et je suis professeure de yoga certifiée et tu es donc sur la chaîne Doggy Yoga, l'harmonie emportée. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour être tenue donc informée chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est la vidéo du jour numéro 9 de notre défi de 28 jours de yoga. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au lâcher prise et pour cela, on va réaliser donc une séance de yin yoga. Donc le yin yoga, si vous le savez déjà, si vous connaissez cette forme de yoga qui est donc l'inverse du yang, de tous les yogas qui sont des yogas plus d'activation musculaire. Donc dans le yin yoga, à l'inverse, on cherche à détendre complètement le corps, à relâcher toute la musculature pour pouvoir donc détendre et relâcher les tissus conjonctifs profonds, donc notamment les fascias et les tendons. Donc si tu veux en savoir plus sur le yin yoga, sur les fascias, etc., je t'invite donc à t'inscrire au défi en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo, puisque tu recevras donc un email chaque jour avec une explication plus approfondie de la thématique du jour. Donc on va commencer cette séance. Pour cette séance, tu vas avoir besoin de couvertures qui sont pliées. Moi j'en ai pris trois. Parce que dans la première posture, en fait, j'ai envie de me donner un tout petit peu plus d'amplitude. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris trois pour me donner un peu plus de hauteur. Après, tu peux en utiliser deux. Minimum deux pour la séance, ce serait bien d'avoir. Ensuite, tu peux avoir deux briques avec toi. Un coussin, si tu souhaites. En fait, rien n'est obligatoire, mais comme on va essayer de détendre complètement la musculature, plus la posture dans laquelle on va se trouver sera confortable et mieux ce sera. Puisque ça nous permettra donc de ne pas activer les muscles. Et moi, je vais aussi utiliser un traversin, tout simplement parce que j'ai pas de bolster. Donc le bolster, c'est un coussin de yoga un petit peu long, qu'on va utiliser donc pour la dernière posture. Au lieu de faire un shavasana, on va faire une posture comme le poisson, mais avec les hanches qui s'ouvrent. Donc moi, je vais utiliser donc mon traversin. Si vous avez un bolster, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez aussi utiliser une couverture enroulée, ou vous pouvez mettre des briques et par-dessus une couverture. Enfin, il y a 10 000 façons d'adapter la posture avec ce que vous avez à la maison. Ok, donc on va commencer dans la posture de Bananasana. Donc la posture de Bananasana, c'est la posture de la banane, sauf qu'on va la faire un petit peu différemment. On va venir sur le flanc, au lieu d'être sur le dos, on va être sur le flanc. Donc juste une chose avant de rentrer dans les postures. Donc dans le yin yoga, on reste là, comme ça va être un cours que je veux qu'il soit pas trop long pour pouvoir suivre donc tous les jours notre routine quotidienne. Donc là, on va rester 3 minutes à chaque fois dans chaque posture. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'observer toujours dans cette idée de lâcher prise. Dans un premier temps, on va observer les zones de tension dans les postures, essayer de se centrer vraiment sur les zones de tension, où est-ce qu'on ressent la tension musculaire, où est-ce qu'on ressent peut-être un tiraillement, un étirement, etc. Ensuite, on va essayer donc d'accepter cette tension et de l'observer pour voir s'il y a des moments en fait où on va avoir un petit peu plus de tension, ensuite elle se relâche, etc. Et dans un troisième temps, on va en conscience essayer de relâcher la tension. Donc pour relâcher la tension, on peut par exemple se dire à voix basse à l'intérieur, si par exemple c'est le dos qui est tendu, bas du dos, relaxe, ou bas du dos, détente, détends-toi, etc., etc. Donc n'importe quelle phrase qui te permette d'essayer de détendre la zone où tu ressens les tensions. Ok, donc on va rentrer dans notre première posture de Bananasana. Pour rentrer dans la posture, moi je vais commencer donc par le flanc gauche, peu importe en fait le côté par lequel on commence. Donc on va venir se placer sur le flanc gauche, de cette façon. Et ici, on va essayer de tendre les bras, et on peut croiser le pied droit par-dessus le pied gauche, de cette façon, un pied devant l'autre. Et on va tendre ici le bras, on peut reposer en fait notre tête sur notre bras gauche, et on peut soit tirer les bras vers l'avant, soit les laisser un petit peu plus ballants. Et on va rester donc ici pour 3 minutes. Donc trouve ta posture. Tu peux déplacer aussi les couvertures pour les mettre un tout petit peu plus, peut-être au niveau au début de la hanche, pour donner un tout petit peu plus d'amplitude en fait à ton extension latérale. Et on commence donc, comme on l'a dit, on peut fermer les yeux hein, bien sûr, et on commence donc par observer si on ressent
une zone de tension à essayer de réaliser comme un scanner corporel pour trouver quelles zones dans cette posture sont tendues. Ça pourrait être par exemple la jambe droite. Dans mon cas, moi je sens que ma jambe droite a du mal à se détendre. Après, c'est personnel à chacun. Ça pourrait être le latéral gauche, par exemple ton flanc gauche. Ça pourrait être tes épaules, tes bras, le haut de ton dos. Essaie de trouver cette zone où tu ressens une certaine tension, de l'identifier, de la reconnaître, de la nommer, de lui donner un nom à cette zone-là. Essaie d'observer en dirigeant toute ton attention à cette zone-là. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la sensation? Est-ce que la tension est toujours la même ou est-ce qu'il y a des moments où la tension monte plus? Ensuite, elle redescend, ensuite elle remonte. Essaie d'observer le cycle de la tension. Observe si la tension est toujours la même ou s'il y a des moments où la tension est plus aiguë, des moments où la tension se relâche. Et maintenant, essaye en conscience de détendre cette zone. Peut-être en nommant cette zone, donc par exemple, épaule droite, relâche. Épaule gauche, détente. Essaie de concentrer toute ton attention sur cette zone et de penser à la détendre, à relâcher complètement les muscles qui entourent cette zone. À envoyer peut-être ta respiration dans cette tension. Respirer la tension pour la dissoudre. Et tout doucement, on va sortir de la posture pour aller de l'autre côté. Donc cette fois, sur notre flanc droit. Donc, trouve ta posture à nouveau pour rester donc 3 minutes de l'autre côté. Tu peux croiser donc cette fois la jambe gauche devant la jambe droite et venir étirer tes bras et reposer ta joue droite sur ton bras droit et à nouveau essaie d'observer les zones de tension, de trouver une zone dans laquelle tu trouves que la tension est la plus forte, de te concentrer sur cette zone, de la nommer, de l'identifier. Peut-être que la zone est la même que de l'autre côté ou non, peut-être que c'est une autre partie de ton corps qui est tendue. Essaie d'observer donc le cycle de la tension ou de la douleur ou de l'étirement, du tiraillement. Observer si l'intensité est toujours la même ou s'il y a des phases avec des intensités plus importantes et ensuite une intensité plus faible.
toute ton attention sur le cycle de l'intensité au niveau de la tension que tu as choisie. Et maintenant, commence à diriger toute ton attention sur cette zone pour essayer de la détendre en conscience, en demandant au reste de tes muscles autour de cette zone de se détendre, en demandant à cette zone de se détendre, de se relâcher, de lâcher complètement, lâcher les résistances. Détente absolue. Et doucement, on va sortir de la posture. On va venir se mettre sur le dos. Donc là, on peut enlever les couvertures. On va prendre une brique. On vient sur le dos. Et d'abord, on peut observer un instant en plaçant donc nos pieds à largeur de tapis, en venant reposer un genou contre l'autre. Une main au niveau du centre de la poitrine, une main sur l'abdomen. On va rentrer donc dans la posture suivante qui va être une posture de torsion. Donc pour la posture suivante, on va venir tendre la jambe droite et la jambe gauche, on va la passer du côté droit. Et ici, avec le genou plié, la jambe pliée, on va venir placer donc une brique sous notre genou d'une façon confortable. Donc on peut utiliser la brique plus haute ou complètement basse ou à la moitié, à la position moyenne. L'important, c'est que notre genou repose complètement sur la brique, qu'on n'ait pas besoin de forcer, qu'on puisse détendre complètement les muscles. Et ensuite, on peut placer les mains, par exemple, en cactus et en regardant vers le ciel de cette façon, ou alors on peut placer les bras un tout petit peu plus, les mains ensemble, dans une posture qui soit confortable, en essayant d'avoir les deux épaules au sol. Et on peut regarder vers le ciel et fermer les yeux. Et on va rester donc 3 minutes dans cette posture. Et à nouveau, on va essayer donc d'observer à quel endroit de notre corps on observe des tensions. Ça pourrait être par exemple au niveau des hanches, au niveau de la hanche gauche par exemple, ou alors ça peut être la cuisse gauche, ça peut être à n'importe quel autre endroit, au niveau des épaules, au niveau des omoplates, au niveau du haut du dos. Observe cette zone de tension et nomme-la. Quelle est cette zone où tu ressens le plus de tension? Essaie d'observer si l'intensité de la tension est toujours la même, ou s'il y a un cycle avec des moments de plus d'intensité, des moments avec une intensité moins élevée. Observe le cycle au niveau de la tension. Et maintenant, essaye de diriger toute ton attention à détendre cette zone. Par exemple, épaules, relax. Hanche gauche, relax. Cuisse gauche, relax. Essaye de détendre en conscience les zones qui sont tendues. Tu peux diriger
ta respiration vers ces zones, en envoyant de la chaleur à l'inspire sur la zone de tension et à l'expire en relâchant complètement. En relâchant les tensions, en relâchant la rigidité. Et observe s'il y a des zones rebelles qui ne veulent pas se détendre, même lorsque tu mets de la conscience. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à lâcher? Quelles sont les résistances que tu ne relâches pas? Et doucement, on va sortir de la posture en passant d'abord par le centre un instant. Avec les pieds près de tes fessiers, tu peux ramener légèrement le pubis vers l'avant, rentrer le nombril pour essayer de replacer tes lombaires dans une position neutre. Et faire tous les mouvements nécessaires avant de rentrer donc dans la même posture de l'autre côté. Donc cette fois, on tend la jambe gauche. On vient placer donc notre brique de l'autre côté. Et à nouveau, donc on vient s'installer dans notre posture. Et on essaye à nouveau de détendre complètement. Donc d'abord, on observe les zones de tension. Peut-être que les zones sont les mêmes que de l'autre côté, ou peut-être que non. Peut-être qu'ici, nos hanches ont moins de résistance de ce côté, ou au contraire. Ou peut-être que c'est notre épaule qui a moins de résistance. Trouve cette zone de tension et nomme-la, nomme-les, s'il y en a plusieurs. Et observe le cycle au niveau de l'intensité de la tension. La tension est-elle toujours la même? Ou est-ce qu'il y a des pics de tension et des moments de détente? Observe le cycle. Puis en conscience, doucement, commence à essayer de détendre ces zones-là avec ta respiration, en envoyant de la chaleur à chaque inspire à la zone tendue et à chaque expire en lui permettant de relâcher, de lâcher toutes les résistances, lâcher prise. Ou en demandant directement à cette zone de se détendre, en la nommant et en disant « relax ». En relâchant toute la musculature autour de cette zone pour l'aider à se détendre. Observe ta capacité à lâcher les résistances, à détendre même lorsqu'il y a une tension. Ta capacité à lâcher prise, à t'abandonner aux sensations telles qu'elles sont, sans opposer de résistance. Juste en acceptant ce qui est. En
t'abandonnant aux sensations. Et petit à petit, on va sortir de la posture. On va venir au centre d'abord, de nouveau, si tu le souhaites, tu peux venir. Donc, ramener le pubis vers l'avant. Et on va venir s'asseoir. On va rentrer donc dans une posture de Tarasana l'étoile, mais une posture passive. Donc, on va ramener les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Et surtout, on vient placer de part et d'autre de nos genoux des briques. Même si on a une grande ouverture de hanche, l'important, c'est qu'il n'y ait vraiment aucune activation musculaire. Donc, on va bien remonter ici les genoux. Et on va venir donc se placer vers l'avant. Ici, on peut aussi placer un coussin pour, ou une autre brique aussi. On peut venir la placer de cette façon, entre les pieds, et venir donc déposer le haut de notre, notre front ici, avec une couverture aussi. Et donc, venir placer nos supports sur les côtés de nos genoux. Et ici, donc, on va venir relâcher complètement les bras vers l'avant. Et la tête, si on le souhaite, on peut placer plusieurs briques, plusieurs hauteurs, on peut remonter ici avec plusieurs couvertures pour essayer d'être dans une posture donc complètement détendue, dans laquelle on va rester de nouveau 3 minutes. Essaie de détendre ton cou, le haut de tes épaules. Donc, trouve d'abord ta posture confortable et ensuite, concentre-toi donc sur les zones de tension. Ça pourrait être le cou, les épaules, le bas du dos, les hanches, les jambes. Essaie de te concentrer sur cette zone dans laquelle tu observes une tension, un tiraillement. Un étirement intense. Et observe le cycle donc de cette tension. Est-ce que cette tension est toujours la même? Est-ce qu'il y a des moments de pic? Et ensuite, une détente. Observe le mécanisme de la tension. Et ensuite, essaie de détendre ces zones ou cette zone de tension en conscience, soit à l'aide de ta respiration, soit juste en demandant à cette partie de ton corps de se détendre, en essayant de relâcher complètement les rigidités, les résistances. Lâcher prise complètement, s'abandonner à ce qui est, en opposant aucune résistance. En opposant aucune résistance à la tension musculaire. Au contraire, en répondant à la tension par un relâchement, un abandon. Se laisser traverser par les tensions. Sans résister. Observe ta capacité à te laisser traverser par la tension, à lâcher prise, à t'abandonner à ce qui est. Et tout doucement, tu vas sortir de la posture en déroulant la colonne tout doucement, la tête remonte en dernier. On va venir détendre un petit peu le cou, parce que dans ces postures, souvent, on a le cou qui est un petit peu tendu. Donc, on va s'asseoir dans une posture tailleur. Et on va venir donc, avec le cou, les mains placées sur les genoux. On va d'abord regarder au-dessus de notre épaule droite et ensuite, comme si on était une pendule,
On va regarder vers le bas et aller de l'autre côté en venant regarder au-dessus de l'épaule gauche. Et maintenant dans l'autre sens. Épaule droite. Épaule gauche. Épaule droite. Je reviens au centre et maintenant je vais remonter les épaules en pratiquant beaucoup de force au niveau du cou et je relâche à l'expire. Inspire. Tend, 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 tend et expire. Relâche. Inspire, tend. Et expire, relâche. Ok. Donc maintenant on va venir dans la posture suivante qui est la posture du cerf. Donc pour la posture du cerf, on va venir placer la jambe droite devant et on va placer le pied droit au niveau de notre genou gauche. Et on va essayer de maintenir le pied gauche en flex et de maintenir le tibia gauche parallèle au bord du tapis. Donc on va regarder devant, de cette façon. Et ici, on essaie de maintenir les deux fessiers dans le sol. Okay ? Et on va venir un tout petit peu légèrement vers l'avant pour avoir une légère flexion avant, avec le dos un petit peu droit. Mais on essaie de détendre ici. On va rester donc 3 minutes dans cette posture. On peut venir placer des couvertures sous les fessiers, hein, si c'est trop difficile. N'hésite pas à accommoder la posture pour qu'elle soit le plus confortable possible. Et ici, on va observer à nouveau les zones de tension, peut-être au niveau des hanches, peut-être au niveau du dos, peut-être au niveau des épaules. On va observer ce qui se passe au niveau de l'intensité dans la tension, si elle est toujours la même ou non, est-ce qu'il y a des cycles? Peut-être que tu peux observer aussi la tension au niveau de ton fessier droit, par exemple, ou au niveau des hanches. Et maintenant, on va essayer de détendre ces zones de tension en conscience, soit en dirigeant notre respiration, soit simplement en demandant à cette zone de notre corps de se détendre. Essaye d'observer ta capacité à détendre cette zone, à lâcher prise, à ne pas résister à la tension, n'opposer aucune résistance à la tension, l'accepter. La voir, l'accueillir, l'accepter. Se laisser traverser par elle, comme on se laisse traverser par nos émotions sans les retenir, en lâchant prise, en n'opposant aucune résistance. Observe ta capacité à ne pas résister. À ne pas combattre. À ne pas résister. À accepter, à lâcher. Et doucement, on va sortir de la posture. Et on va venir faire donc la même chose de l'autre côté. Cette fois, donc, c'est notre tibia gauche qui est parallèle au bord du tapis, au bord avant du tapis. On vient placer donc la plante du pied gauche au niveau du genou droit. Et notre tibia droit, lui, est parallèle donc au bord latéral du tapis,
avec le pied en flex. Et à nouveau, donc on va venir légèrement vers l'avant pour essayer d'avoir une légère flexion avant. Ok ? Et c'est parti de nouveau pour 3 minutes. Observe à nouveau les zones de tension. Si les zones de tension sont les mêmes que de l'autre côté ou non. Par exemple, moi dans ce cas, je ressens plus au niveau de la hanche droite et non au niveau du fessier comme de l'autre côté. Observe si dans ton cas les tensions sont symétriques de chaque côté ou non. Et observe le cycle au niveau de l'intensité de la tension. Est-ce qu'elle est toujours la même ou non? Maintenant, essaye de détendre, dissoudre la tension en lâchant prise, en n'opposant aucune résistance, en te laissant traverser par la tension, en l'acceptant entièrement. En envoyant un signal à ton corps de détendre au lieu de résister. Notre corps a plutôt tendance, devant la douleur, à se tendre. Est-ce que tu es capable d'envoyer le signal à ton corps de ne pas se tendre, mais au contraire, de se rendre, d'accepter, de se laisser traverser par cette douleur, sans opposer de résistance, en détendant le corps, complètement, en lâchant prise. Abandonne-toi, laisse-toi traverser par les sensations. Et tout doucement, on va sortir de la posture. Et à nouveau, si on ressent une douleur au niveau cervical, on va faire la même chose que tout à l'heure. À l'inspiration, on va remonter les épaules en exerçant beaucoup de force, comme une pression au niveau du cou. Et à l'expire, relâche. Ok, donc maintenant on va rentrer dans la dernière posture. Donc pour la dernière posture, on va venir placer, donc moi c'est mon traversin. De cette façon, on peut placer une couverture dessus. Et on va placer des briques de part et d'autre de nos genoux, parce qu'on va placer nos pieds comme on l'a fait tout à l'heure dans la posture de Tarasana, l'étoile, c'est-à-dire les plantes de pieds ensemble, les pieds écartés du pubis de façon à ce que les hanches ne s'ouvrent pas trop non plus, pour qu'il n'y ait pas de situation d'inconfort. Et on va placer donc nos briques sous nos genoux pour éviter qu'ils s'ouvrent trop. Et on peut venir placer une couverture sur nous, parce que le plus probable, c'est qu'on ait froid, puisque on va être... Cette fois, on va rester 5 minutes dans la posture. Je vais placer une couverture pour donner un tout petit peu plus de hauteur parce que comme mon traversin est pas, c'est pas comme un bolster de yoga qui est dur, il s'enfonce. Donc, pour donner un tout petit peu plus de hauteur, je vais placer une couverture dessus et ensuite je vais me placer une couverture. Donc, on va placer, si on a un bolster, le bolster au niveau de notre bas du dos. Et on va donc descendre ici et reposer complètement donc le corps sur notre coussin. Ou d'ailleurs, ça peut être aussi une couverture qui est pliée, plusieurs couvertures pliées les unes sur les autres. Et on va se couvrir donc pour éviter d'avoir froid. Et ici, donc, on va observer à nouveau si on a des zones de tension. Et même processus pendant 4 minutes. N'hésite pas à couvrir tes mains aussi,
Moi, dans ma pièce, il fait froid. Les mains, elles peuvent reposer sur le sol, paume de main vers le ciel. Essaie d'observer à nouveau si tu ressens des zones de tension. Quelles sont ces zones qui sont tendues? Est-ce que tu observes que ce sont souvent les mêmes zones dans toutes les postures qui sont celles qui présentent des tensions ou non? Est-ce que les zones de ton corps sont différentes? Et à nouveau, observe le cycle de la tension, de la douleur. Est-ce que l'intensité est toujours la même? Est-ce qu'il y a des pics? Maintenant, essaye de relâcher ces zones en conscience, en envoyant le signal que tu souhaites à ces parties de se détendre, de lâcher les résistances, de s'abandonner complètement à la tension, de se laisser traverser par la tension, d'accepter cette sensation, d'accepter que dans la vie, tous les moments ne sont pas des moments agréables. On a des moments d'inconfort. C'est important de les accepter, de se laisser traverser par eux. Et non d'opposer une résistance, sinon on bloque les émotions, on bloque les tensions dans des parties de notre corps qui ensuite accumulent toute une série de tensions. C'est souvent le cas au niveau des hanches, au niveau du haut du dos, de notre cou. C'est d'accepter la tension, de lâcher prise, de t'abandonner, de ne poser aucune résistance, de ne pas agir. Et doucement, on va commencer à sortir de la posture. Pour cela, on va planter les coudes dans le sol et venir ramener le menton vers notre buste, tout doucement. Et avec l'aide de nos mains, venir remonter pour s'asseoir dans une position tailleur confortable. On en a donc fini avec notre séance d'aujourd'hui. Je te remercie donc d'avoir participé à cette séance. Et si la séance t'a plu, je t'invite donc à me laisser un pouce en l'air, un commentaire et à partager la séance avec une personne de ton choix. Je te dis à bientôt sur le tapis et passe une très belle journée. Namasté.